créé cette initiative ça parce que nous pensons que c'est important pour la communauté hein, et pour l'usine là, jouer une activité et activité qui est gratis et pour nous encadrer la jeunesse pays parce que la jeunesse c'est le futur pays. Donc c'est un investissement à faire pour eux. Est-ce que c'est un projet qui a été dans le cadre d'inauguration seulement ou bien gagner d'autres projet en perspective après l'inauguration terrain ça particulièrement? Bon, ça c'est pour premier pierre et c'est deuxième pierre. D'abord, nous avons fait un centre communautaire pour et médical. Donc, nous avons un centre médical. Pour nous fait inaugurer terrain basket là. Et nous continuons au fur et à mesure faire un centre communautaire et qui est inclusif pour la société autour de Wambaboko. Je dis à qui ça qui motiver nous pour nous capables d'impliquer dans le développement sport dans la communauté. Bon, nous pensons pas qu'il y a assez d'infrastructures pour la jeunesse aujourd'hui pour faire sport et nous connaissons aujourd'hui que l'antimoun est au lieu il pas ou qu'il pas encadré, il pas fait rien et puis on fait sport, c'est un bon bagage et pour santé, santé mentale, santé physique. Et pour l'éducation, il y a une discipline, une rigueur. Et entraînement basket, par exemple, un entraînement comme James Harden, c'est un bail qui est intensif, qui est difficile et qui m'a donné une pile dédication. Est-ce que le travail fondation l'y a prêté seulement dans aider les jeunes dans faire sport ou bien nous gagner d'autres perspectives, peut-être à travers l'éducation et autres? Nous get up travail avec HELP, qui sont une association qui est basée sur excellence, sur mérite, et nous baillons bourse. Donc chaque année, nous gagnons une bourse Thierry Gardel, où nous baillons un certain nombre d'étudiants en bourse scolaire pour terminer études supérieures. Donc ça, c'est un bail déjà. Nous commençons à faire depuis longtemps, mais nous continuons à faire, nous continuons à supporter. Ce n'est pas facile pour nous rencontrer, pour nous parler de sport, mais je veux dire, je profite pour poser une question. Ça, un pile monde dans le pays a estimé que le secteur privé n'est pas impliqué assez dans le développement sport, surtout sport au pays. Nous connaissons haïtien jouer football en pile. Est-ce que là, son déclic pour peut-être à travers la fondation Bamako directement, et, ou bien compagnie et Bamako directement, peut-être secteur sportif là à travers le football est capable de bénéficier de quelques partenariats avec Bamako? C'est un bail que nous avons étudié, nous avons un partenaire avec qui nous commençons à faire des bagailles et football et avec qui nous avons fait football, mais nous avons mis en place un concours basketball là. Mais oui, c'est un bail prochainement sur lequel nous allons travailler.